Eh bien salut tout le monde, c'est Flono Cadeau, j'espère que vous avez la forme. Alors on est parti pour les derniers bons plans soldes du week-end avec déjà une petite nouveauté que j'ai découvert, donc c'est les Fidget Cube après les Hand Spinner, donc c'est nouveau, c'est des petits objets anti-stress. Donc voilà, moi je vais me commander ça à 1,97€. C'est juste en passant, ça n'a rien à voir avec les bons plans, mais je suis tombé dessus, je vais me commander ça, c'est rigolo, on va voir ce que ça donne. Alors les bons plans, donc on passe avec du boîtier, donc chez LDLC, le Fractal Design Arc MIDI R2 est en promotion jusqu'au 10 juillet, donc faut vraiment en profiter. Il y aura d'autres boîtiers, donc celui-ci c'est vraiment une très très bonne qualité. Tout format de carte mère qui sont compatibles. Le Corsair Obsidian 350D Windows, donc il est vachement classe celui-ci. Le Corsair par contre c'est que pour du micro ATX, mini ATX, mais toujours pour 59€ le même prix. Donc voilà, faut vraiment en profiter. Il y a des offres, si c'est pour le moment de changer de boîtier, il y a quand même de quoi faire en ce moment. Toujours chez LDLC, le NZXT S340 Elite. Alors celui-là est super classe, 79€. Donc je vous mets tous les liens en description, bien sûr, comme d'habitude. Donc j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais bon, comme j'ai vu tout le week-end, pas mal de bons plans, donc j'en profite. Donc ici, encore un boîtier l'aéro cool. Alors les super classes, hein, 89€, c'est un bon prix, c'est plus de 100€ d'habitude. En verre trempé, vous avez vu la façade, c'est lumineux ici. C'est super cool tout simplement. Aéro cool, c'est super cool. Celui-ci, 89€, d'habitude c'est plus du bas de gamme. Mais si 8 couleurs personnalisées, tout ça, c'est un grand boîtier, hein, pour tout format de carte mère. Alors, justement, on a des bons boîtiers, mais aussi on a des beaux ventilateurs Corsair à prix assez bas, donc 18€ pour une paire de deux. Franchement, ça vaut le coup. D'habitude, c'est plus 25€ les deux, donc ici, ça vaut le coup. Franchement, deux petits ventilateurs Corsair, une bonne marque, bonne qualité de fabrication. Les RAM qui sont pas trop chères, donc 16Go de DDR4. Attention, la fréquence 3200, c'est très élevé, c'est de la haute fréquence. Donc 134€, je trouve que c'est vraiment un bon prix, sachant que la RAM est assez chère en ce moment. Alors un petit SSD au format M2, donc c'est le tout nouveau format, 250Go, donc Samsung c'est vraiment la référence. Alors ici il faudra la carte mère compatible bien sûr, mais on aura des débits énormes, 129€, ça vaut vraiment le coup. Ensuite toujours du Samsung en SSD classique, hein, 2,5 pouces, 500Go, 500Go, 139€, ça me tente bien, mais bon ça reste quand même un très bon budget. Mais ça reste quand même moins cher que 10€ moins cher que la concurrence. Alors la tablette chez Cdiscount, tablette du moment, je la connais, celle-ci, donc une 8 pouces, Full HD, 16Go. Alors une bonne promotion, 59€, là c'est les soldes. En plus de ça, on a la carte SD de 16Go, en plus de ça, on a la petite couverture. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, ça part très très bien. Elle est 8 pouces, elle est quand même beaucoup mieux que la première dans 7 pouces qui était sortie. Donc une petite tablette Android, franchement. Ça vaut vraiment le coup, soit 59€, ça vaut vraiment le coup. Alors le petit casque que j'ai présenté sur Twitter, hein, donc le G-Skill RIP RAW SV710, j'ai du mal à prononcer, mais c'est 25€ pour un casque USB 7.1, franchement ça peut valoir le coup pour un casque de marque, franchement ça vaut le coup. Une petite montre connectée, donc format classique, hein, 33€, donc ici connectée avec une application sur votre smartphone, ici en Bluetooth pour vos nombres de pas, etc. Donc 33€, on se croirait même pas que c'est une montre connectée. Dernier petit gadget ici chez LDLC, hein, un support tablette. Vous voyez comment il est? Donc on va lancer la petite vidéo, comme ça on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, un petit support tablette, ça peut être intéressant, c'est pas cher, c'est une promotion, donc plusieurs inclinaisons possibles, donc comme ceci, comme cela, vous voyez, je trouve ça sympathique. Chez LDLC, par contre, il y a des frais de port, donc il faudra faire attention, toujours se livrer en point relais, 4,94€. Donc voilà, c'était pas prévu cette vidéo, mais il y a tellement de bons plans. Quand il n'y en a pas de bons plans, je fais pas de vidéo, je n'en cherche pas. Mais là, ça vaut vraiment le coup pour terminer ce week-end. En tout cas, très bientôt, bonne semaine à vous, ciao, bye.